Alors gros, je reviens actuellement du parc Astérix hier. J'étais au parc Astérix hier. Yo tout le monde, ici Jargos. Alors, pourquoi je fais pas en direct comme ça en cam direct pour me filmer avec ma cam? Parce que hier au parc Astérix, je suis tombé la tête la première sur le robeur d'un wagon qui fait l'attraction. En montant dans le wagon, ça, c'est, je crois, ça s'appelle le Ménia Express. En fait, le Ménia Express, c'est un wagon. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de. Voilà. Tu te tiens uniquement avec tes mains sur les barres. Du coup, voilà. Donc, voilà. Alors, ce wagon-là, c'est une attraction aquatique. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu descends, ça atterrit dans l'eau. Enfin, dans l'eau, flotte sur l'eau et ça t'éclabousse aussi tout le corps, ce qui fait du bien quand il fait chaud. Bref, en gros, en montant le wagon, je tombe la tête la première sur le robeur du wagon. Ma bouche a tapé carrément directement sur le rebord du wagon. J'espère juste que cette vidéo va pas. J'espère juste que. Articulé. J'espère juste que cette vidéo va pas apparaître dans Vidéo Gag. Du coup. Ouais. Non, ouais, pour ça, je filme pas parce que ma gueule est horrible. Enfin, ma bouche est horrible. Du coup, voilà. C'est pour ça que je préfère pas filmer avec la caméra parce que ma bouche est enflée et tout, voilà. Enfin, elle est pas vraiment très très enflée, mais elle a quand même un petit coup, tu vois. Mais voilà. Aujourd'hui, mon gameplay de NFS World, ça faisait longtemps, oui. Normalement, aujourd'hui, je vais aller au code. Actuellement, je tourne la vidéo. Enfin, actuellement, je fais cette voix œuf. Et actuellement, 2h01. Je suis censé être au code. Alors, pourquoi je suis pas au code? Parce que il fait une chaleur atomique dehors. Donc, tu combines l'attente du bus. Deuxième fois, l'attente du bus. Une troisième fois. Non. Pas trop de fois, on n'est pas au travail du coup. Pas une troisième fois, non. Tu combines 4 fois l'aller-retour en attente du bus. C'est impossible. Il fait trop chaud quoi. C'est impossible. Donc, du coup, je me lève le matin. Et je dis à ma mère ouais, maman, je vais pas au code. Il dit, non, Joe, mon Joe, il fait trop chaud, tu vas pas au code. C'est ça, c'est une infection dehors. Voilà, bref, voilà en gros, tout simplement. Voilà, ah, c'est pour ça que j'en profite pour faire des vidéos gameplay. Autant que j'ai rien à faire, je me suis dit, donc, puisque j'ai rien à faire, autant monter des vidéos. Voilà, en gros, ouais. Alors, je sais pas quand est-ce que la vidéo est finie de monter parce que je dois être en appel vocal avec une amie. Du coup, voilà. Du coup voilà. Ah, ce sera fini à 4h, à 5h, à 6h, etc. Voilà. J'en ai aucune idée. Bref, sur ce, intro, let's go. Ok, yo tout le monde, ici Jergus. Aujourd'hui, nouveau gameplay de NFS World. Et pourquoi ma BM est en blanc? Oui, c'est une question. Pourquoi ma BM est en blanc? Attends, 2 secondes. Attends. Allô? Où est les motifs Razer? Dernier boss de NFS 70 et tout? Je comprends pas. Franchement, Knight Riders, un truc, vérifier. Oui, ils sont toujours en train de tourner. Vérifier les paramètres des textures. Oui, parce qu'il y a un problème de texture. Voilà. Il y a un problème de texture, oui. Du coup, ouais. Attendez. Soit à fond, d'accord. Bon. Alors, attends.
Okidiri. Bon, aujourd'hui, nouveau gameplay de NFS World. J'allais dire Vosontine, moi. De Argos, t'as besoin de thé. Petite pause thé. Pendant le gameplay, je suis en train de penser à un truc. Normalement, demain, je devrais pouvoir vous sortir une ou deux vidéos YouTube. Parce que demain soir, je n'ai pas badminton. Parce que c'est férié. Du coup, voilà. Voilà. Vous inquiétez pas pour la BMW 3 GTR. Tout est normal. C'est juste un problème de texture. Du coup, voilà. Par contre, le fil, il me gêne. S'entend tout. Ah, bête. Ah, putain. Un, non, deux. Ok. Ça marche toujours. Du coup, voilà. Commençons sur ce. Ah, Zanny, je vais juste m'acheter un nouveau jeu sur, avec ma CB. Que. Bah, je. Ah, c'est pas une CB pour les mineurs, c'est une CB pour les adultes. Hein. J'ai 22 ans, hein, pour ceux qui savent pas. Du coup, voilà. Alors, je vais m'acheter un FS. Most Wanted sur Epic Games. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Diagos, pourquoi tu l'as pas acheté sur... pourquoi tu l'as pas acheté sur Steam? Oh, je t'explique. Du coup, voilà. Je t'explique. En gros, pourquoi je l'ai pas acheté... vous voulez pas l'acheter de base? En passant par Steam ou Origins ou quoi, voilà. Bah, passant au Epic Games, si t'as un compte PSN, PS4, PS5, etc. Voilà. Bah, en gros, tu peux lier tes sauvegardes PSN à tes sauvegardes Epic Games. Ce qui fait que tes sauvegardes Epic Games et tes sauvegardes PSN ne forment qu'un. Je tiens quand même à te dire, Jargos, que c'est pas NFS Most Wanted, c'est NFS Payback. C'est ça que je voulais dire. Et comme un con, je dis NFS Most Wanted. Et non, c'était NFS Payback. Oui, ma gueule. Oui, voilà. Oui, je me suis trompé. Oui, t'as un problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Ouais. Sache que. Des fois, je dis des trucs sans le vouloir. Qui ne sont pas cohérents. Enfin, cohérents. Je veux dire, parce qu'en gros, des fois, j'ai des trucs, je veux dire un truc, mais à la place, je dis autre chose. Et ça saoule! Voilà, let's go. Ce qui est totalement génial. Du coup, alors, c'est bête qu'il n'y a pas plus de jeux sur Epic Games, qu'on puisse pas passer par Epic Games pour acheter NFS bah, Payback, quand j'avais 17 ans. Vu qu'il est sorti en 2017. Du coup, voilà, c'est vraiment très très dommage, les amis. Gros, c'est vraiment très très dommage, voilà. C'est un peu con. Et moi, tu vois, j'ai un truc, ça fait. Tu me diras, ah ouais, mais Jargos, pourquoi tu veux pas recommencer le jeu? Pourquoi tu veux pas recommencer le jeu? Parce que ça me fait chier, voilà, du coup, là. Du coup, voilà, ça me fait chier de recommencer le jeu sur PC. Enfin, tu me diras, ah, Jargos, pourquoi tu fais pas les gameplays sur APS? J'ai la flemme, du coup, là. La flemme, du coup, là. Non, ouais, du coup, là, c'est. J'ai pas envie de refaire les gameplays sur la PS4 sur les PS4, c'est chiant, faut transférer les gameplays sur la clé, après les transférer dans l'ordinateur, etc. C'est chiant! Petit crash. Couvre en haut. Enfin maintenant, j'achèterai que des jeux sur PC, mince. Enfin, mis à part si rachète ou quoi, c'est uniquement Sony exclusivement, tu vois. Parce que oui, j'ai. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu le gameplay que je viens de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai fait un gameplay du nouveau Ratchet & Clank Rift Apart. J'en ai peut-être fait 3, j'en ai peut-être fait 3 à l'heure actuelle. Franchement, allez voir, c'est vraiment des pépites quoi. Il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu de blague, voilà. Amdo, il est là, monseigneur. Désolé. Non, sans deck. Non, ouais, allez voir les derniers gameplays. Dans la playlist gameplay, tous les gameplays que j'ai sortis durant l'existence de ma chaîne YouTube sont dans la playlist gameplay. Vous pouvez aller voir en gros, voilà, c'est vraiment génial. Bah voilà, c'est qualitatif. Bon, on va peut-être entamer une course. Alors, ma soeur vient de me repéter les couilles. Vient de me répéter les couilles. Quoi concrètement, ça me cave.
Non, refusé. Je crois que c'est une, il me semble. J'ai pas. Seigneur. Maquette, ça, señorita. Non. Classe S uniquement. Non, du coup, la fille a pété les couilles. Ça a chier, mon gars. Ouais, par contre, je crois la prise cher niveau sur marché carrière. Du coup, 12. Oh, 8 Ford Mustang Shelby. Enfin, t'as Ford Mustang Bus plutôt. Tu vas te détendre. Ouais, je m'en marre de pas, moi, du coup, gros. Toi, dégage. Take care, gros. Toi, ça va être simple. Voilà. On sait pas, monsieur, prend au moins 5 murs, mais c'est pas grave. Tout est normal, c'est du NFS World. D'ailleurs, tu te partais aussi que j'ai fait plusieurs gameplays de NFS World. Vous pouvez aller voir ces gameplays précédents, mais il y a longtemps de cela. C'est là où je suis en vacances. Bon. Certains se diront, oui, mais est-ce que Jargus est encore à l'école? Non! Je travaille au centre équestre d'Orwell. Du coup, voilà. Précisément. Du coup, voilà. Non, en vrai, j'ai arrêté l'école, bah, j'avais 17 ans. J'ai commencé à travailler professionnellement, le mur de merde, à 17 ans. Ouais. Bon, à 17 ans j'étais pas encore payé. Là je suis payé par l'âge parce que comme je suis payé par l'âge. Parce qu'on a peut-être qui savent pas, mais je suis autiste Asperger et non pas sévère. C'est énorme, je fais n'importe quoi. Du coup voilà, alors ma première paye par où, putain toi la putain de ta mère. Du coup voilà. Oh putain toi la putain de ta mère. Wadabadabadabadabadabada. Du coup, ouais. Non, ouais. Ma première paye, je l'ai eu, bah j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. C'est-à-dire en 2020. Et j'ai 22 ans. Bah 23 l'année prochaine. Voilà. Ah, prends un tournée avec ta caisse. Désolé. Mec, archi mal tourné avec sa caisse. Bon, je disais, j'avais ma première paye, j'avais 20 ans. Voilà. J'en ai 22. Donc ça fait actuellement 2 ans que je touche la hache. Voilà. 20 ou 21, je sais plus. Peut-être en 11 ans, je peux en gros. Oh! 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 Oh là 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 là! Oh le bâtard! Non, du coup, voilà. La légende raconte que Jargos a fini deuxième. Du coup, là... non, c'est vrai que c'est une petite vanne quoi, que des gens ont... voilà, sont enfin un délire, voilà. Ouais. Transmission course. Je vais prendre un petit coup de montée, moi. Alors, petit message à faire passer à Knight Riders. S'il vous plaît, Knight Riders, pouvez-vous mettre à disposition une option désactiver les activités quotidiennes, comme le truc des gemmes, voilà. Parce que moi, j'ai pas envie de faire ça, ça prend trop de temps. Ça, je fais vraiment quand je suis en gameplay, parce que ça prend trop de temps. Donc, s'il vous plaît, vu que vous remodifiez un peu à votre guise le jeu NFS World,
mettez ça, en gros. Si vous pouvez mettre à disposition une option on et off pour les activités saisonnières. Enfin, quotidiennes, je veux dire. C'est ça? Non! J'ai pas envie d'en faire! Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cools, c'est le ciel cuit! Du coup, j'ai un petit peu bugué. Du coup, voilà, niveau. Encore. Yalla 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 yalla. Oh yalla yalla yalla. Oh mon gars, saché là. Grrr. Oh, avec ta sonne ténérieuse, calmez. Oui, centenaire, c'est quoi? C'est Lamborghini. Alors tu vas me dire, ouais mais Jargos, la Murcielago, c'est démodé. Ouais mais Jargos, la Murcielago, c'est des... Enfin, je crois que j'ai vu Murcielago. Ouais mais Jargos, la Gallardo, c'est démodé. Ouais mais Jargos, ta gueule. Désolé. Non, en vrai, j'adore... j'adore toutes les anciennes voitures, notamment la Mazda X8. La RX-7 aussi. J'adore j'adore la Porsche Cayman S. La Porsche 911 GT3. Le mur de merde. La Porsche 911 GT3 RH, je disais. Tu vas te détendre, toi. Voilà. J'adore quoi? Bah, la Audi Le Mans. Bon, c'est, ça peut ressembler à la R8. Mais c'est pas la R8. La Audi R8. J'ai mis aussi la Aston Martin DB9. DB9, voilà. Du coup, en gros, voilà. J'adore. La Mercedes SLR AMG McLaren. J'adore bah, la Corvette, je sais pas si on dit Zedo ou Z06. Bref, ouais, j'ai Zedo moi. Z06, voilà. Mais voilà, voilà. J'adore la Nissan Skyline. Enfin, non, pas Skyline. Là, oui, enfin, aussi la Skyline, oui. J'aime aussi la Nissan 360Z. Bon, ça va être simple, ouais. Oh putain. Po 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 po. Oh la vitesse gros. Bah ouais, j'ai bien toutes les anciennes voitures de ma génération. On était petits bien sûr. Parce que maintenant génération ça va être plutôt Centenario, Veneno, etc. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je suis bien un gosse, j'ai 22 ans. Ah ouais, en gros. En gros, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on s'amusait à faire? Je sais pas si vous avez connu. Bon, je pense que tout le monde connaît Dragon Ball Z. Et nous, quand on était petits en primaire, ce qu'on s'amusait à faire, c'était de reproduire les techniques de Dragon Ball Z. D'imiter les personnages en gros en jouant, voilà. Notamment Kamehameha, Masenko, Big Bang, voilà, etc. Voilà. Ou Canon Garrick de Vegeta. Une petite précision, savoir qu'à l'école on m'appelait Vegeta. Enfin, on se centrerait plutôt. Hop là gros. On m'appelait Vegeta. On serait... Pourquoi? Parce que quand je m'énervais je faisais Vegeta. Ouais, ça semble que ça. Mais Vegeta, tu sais, c'était mon surnom d'avant. Hein. Maintenant je me suis calmé, tu vois. Enfin, je pète des câbles des fois quand ma soeur m'énerve aussi, oui, mais... Mais
C'est beaucoup moins hardcore. Vraiment, quand j'étais petit, c'était hardcore. Voilà. Alors oui, un truc. En parlant de péter des câbles, en parlant de tout ça. Quand j'avais 17 ans, il y a des rumeurs qui courent comme quoi j'étais taré. Alors le mec qui a annoncé cette rumeur, c'est vraiment un abruti de la pire espèce. Parce que je suis autiste, ça ce truc est sûr. Un autre diagnostic dont je dirais pas le nom. Parce que voilà, j'ai pas envie que voilà qu'on juge quoi, plus que mon autisme. Voilà, voilà tu comprends. Voilà. J'ai envie de préserver mon anonymat. Tout ce que je peux dire sur ce diagnostic, mon diagnostic, c'est que peut-être des fois j'ai des comportements de taré, voilà. Mais d'un côté, non. Parce que cette maladie, on la considère beaucoup comme une maladie de taré. Mes amis, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Faut pas croire tout ce que vous voyez dans les films. Les films, c'est de la fiction. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà. Non, ouais. Beaucoup ils croient que les gens dans les films ont des comportements tarés, voilà, etc. Non, c'est des films, gros. C'est un film. C'est un film. Tout est faux dans les films. Même les chutes sont faux dans les films. Même les coups de flingue. Les coups de flingue sont faux dans les films. Maintenant, pour les gens qui ont des problèmes de comportement, il existe un traitement. Je ne dirai pas lequel. Ce soit venir ah machin truc, quel est ce traitement pour tel type de maladie? Non, non, j'ai pas envie qu'on sache la maladie en haut. Ouais. Non. Ce que je peux dire, c'est que voilà, il existe un traitement. Voilà. Donc voilà. Alors les gars, ceux qui me disent que je suis taré. Dans mon profil. Un conseil, faites gaffe à votre gueule. Parce que là, vraiment, si vous voulez que je sois taré, là je vais être taré. Et là vous pourrez me considérer comme un taré. Alors ne faites pas, ne dites pas ce que je ne suis pas censé être. Je ne suis pas taré. Je suis autiste et un autre diagnostic. Mais je suis pas taré. C'est un truc qui m'énerve. Ah, bah regardez, c'est Jared, c'est taré. Ah, regardez, il va péter un câble. Ah, regardez, c'est un gros taré, il s'énerve. Tout le monde s'énerve, gros, tout le monde s'énerve. Est-ce que parce qu'une personne s'énerve, ça veut dire qu'il est taré? Non. Donc concrètement, gros, je te dis un truc, arrête tes conneries. Voilà. Continuons. Bénéfique. Non, gros. Je suis un malade. Ben, il est. En zoom, ça va être plus simple. Allez, petite précision, gros. Je tiens à faire une big dédicace à les bénévoles qui m'ont demandé de faire une dédicace pour eux au boulot. Donc, bah, gros dédicace à vous, voilà. Du coup, en gros, voilà. Dédicace à vous. C'est pour vous, ça, regardez.
C'était éclaté au sol. Ouais, du coup. Ouais. Enfin, ouais. Dédicace à vous. Vous voyez, en gros, je veux dire un truc. J'ai la chance d'être bien entouré malgré mon comportement dans ma famille, au boulot, dans la rue, à la mairie, etc. Voilà. En gros, je suis bien entouré de partout. Ah putain, nanana. J'ai la chance d'être bien entouré. Sans que ce soit dans mon profil, que ce soit à la mairie, service jeunesse, à la piscine, etc. Je suis bien entouré. Voilà, gros! Tu veux te détendre du stream, oui? Pas si gros. Voilà. Désolé. Du coup, glou. Eh, allez, bête de zéro. Reste au total. Reste au total 3%. Du coup, on va aller sur les récompenses. Merteuil. Départ parfait. 57. Écoutez. Et là, on aura une somme de cash, les amis. Ça sera génial! On a effectué combien?
J'ai envie de dire gros. Comment faire ça? Faire des courses. Gros. Glo 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 glo. Du coup. Participer. J'ai merdé. C'est de la merde. Et je suis de nitro. On va recommencer. Je crois qu'on va en faire une autre. Parce que les sauts, ça ralentit un petit peu la caisse. Je m'en fous des motifs, putain, gros. Là, on est moins bien. Perfecto radicato, mon gars. Pour les gens qui connaissent toutes les vidéos de ma chaîne, vous avez parlé qu'un jour j'avais fait que des fois je faisais des rêves prémonitoires. Et ben il y a une nuit, je me suis cassé le bras. Ce que j'espère pas que ça arriverait. Voilà. Genre je tombe en l'air, crac, mon poignet était tout capoute, voilà. J'espère que ça va pas arriver. Parce que j'ai fait une fois un rêve prémonitoire pour quand j'étais à l'école. J'étais à l'école dans mon rêve, en gros l'école, dans mon rêve j'étais à l'école. Je vois des gens que j'avais jamais vu dans la vraie vie. Le lendemain je me réveille, je revois les gens que j'avais jamais vu dans ma vie. Je me dis... Attends. C'est moi qui viens de faire un rêve prémonitoire. C'est moi qui viens de faire un rêve prémonitoire. Voilà. Des fois je fais des rêves prémonitoires comme quoi voilà. Il y a une fois j'ai fait un rêve assez chelou. En gros c'était voilà, je hurle comme dans tous mes rêves de peur. Derrière j'entends un cri strident. Et là je pense, je sais pas s'il y a des connaisseurs qui passent par là.
Vous dites-moi si vous y connaissez un peu niveau ça, en gros, ouais. C'était marqué sur un tableau, mais vraiment une table de tissu vraiment ancienne. Enfin, une nappe de tissu vraiment ancienne, en gros, voilà. Munie d'un tableau. Si tu en commences, je te tue. C'était marqué. Alors, j'ai peut-être déconné avec la spiritualité, ou je déconne avec les blagues de au-delà. Soit l'un, soit l'autre. Du coup, voilà. Non, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole. Faut pas que je rigole, putain. Je me tire les ennuis, excusez-moi. Non, ouais. S'il y a des gens qui passent par là, qui s'y connaissent un peu, bah écoutez, je suis preneur pour savoir sur ces trucs. Je suis preneur. Parce que j'ai fait un rêve. Alors, je sais pas si c'est un fantôme qui a voulu me faire passer un message. Ou la mort en elle-même. Ou le diable, je sais pas. Je sais pas. Concrètement, je sais pas. Aucune idée. Mais je peux te dire quand je suis réveillé, mon gars. J'étais en PLS sous ma couette. Du coup. Désolé. Non, sans déconner, gros, sans déconner, sans déconner. Ouais, voilà, gros. Du coup, voilà, gros. Si y en a qui s'y connaissent, bah dites-moi. Voilà, la suite. De cœur. Bon. Ta gueule, le chien. Désolé. Ça, mon gars, je t'explique pas. Je viens de manger une baguettine que j'ai été chercher à la boulange, mon gars. Alors, t'avais emmental, t'as une espèce de pâte pâtissière qu'on fait dans les baguettines avec des morceaux de viande kebab, mon gars. Bon, pas se croyez. Ouais, mais Jergus, t'avais dit que tu faisais pas plus d'un Burger King qui va mettre toute la semaine, je sais, bordel. Non, ouais. Ça, c'est un écart. C'est pas kebab, c'est pas manger au kebab, c'est pas manger au Burger King ou au Quick, voilà. C'est autre chose. Donc, je peux. Désolé. Oh, tu te détends, toi! Bordel, les gros! Pas grand-chose. Voilà. On va prendre la première. Enfin, la troisième, je veux dire. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, putain! Motif. Pas c'est la fois consécutive. Attendez, j'aurai son PC portable. Consécutive. C'est moi 2 petites secondes. Ça tu dégages, tu dégages. Attends, parce que en même temps, il y a le montage qui est entamé. Alors concrètement, je sais pas quand est-ce que va être fait le montage sur NFS World. Peut-être privilégier d'abord le montage d'Archite Clank. Je sais pas du tout. On verra bien, quoi, gros, ça dépendra. Je pense que je vais entamer le montage à Ratchet & Clank. Souvent, je suis plus dans un mood où que je suis sur Ratchet.
Bon. Que veut dire consécutive? Consécutif. D'accord. Ça veut dire qu'il se suit dans le temps. Bon. Voilà. Combien de temps, Thierry, là? Thierry, ça fait combien de temps? Concrètement, ce qu'on va faire, Zany, on va faire encore peut-être une ou deux courses, pas plus. Parce qu'il faut que j'entame le montage de Ratchet. Voilà. Il voulait signer. Du coup, voilà. Non, j'arrête. Bon. Parfait, départ, parfait, départ, parfait. Collectionneur. Ça, je m'en fous. Question de Jeep, ça je m'en fous gros, je veux voir le départ parfait. Ah, départ parfait. On n'est pas loin. On n'est pas loin gros. Quelques trucs comme ça, on va avoir une récompense. Qu'est-ce qui suffit attends, ça me gratte les yeux. Ah oui, petite précision, je dors pas chez moi ce week-end, mais on va... Allo, Paris Rex normalement. Je crois que c'est la... Le truc avec... Je vais prendre Charo. Hop, un petit coup de nose. Oh, mais t'actives les noses ou quoi là? Bon, attends dans la ligne droite. Gros, c'est abusé gros.
Allez, pour une fois, j'espère qu'il y aura une bonne récompense là. Gros, les récompenses. Ça va. Concrètement, ça va. Un Royal Popol, on va aller avant de quitter gameplay avant. On va aller voir ça. J'articule. Dark Ghost, arrête de bégayer. On va aller voir ça avant de quitter gameplay. Je suis fatigué. Planque. Encore un problème de texture. Du coup voilà, du coup la BMW, le retour de la BMW blanche sans motif Razer, voilà. Original. Stylé. Non, je déconne. En vrai, je la préfère quand même un motif de Razer. Concrètement, on va juste vendre le moteur. Comment dire? Moteur. Je cherche le Royal Popol. Bonne FS, vous auriez pas modifié un truc? Moi je vois. La valeur des moteurs Royal Popol. Au lieu de les vendre du coup bah à 50 000, ils les vendent à 5 000. Merci notre traders, Ameno NFS, c'est devenu du n'importe quoi. Du coup voilà. Non j'arrête. Dix mille, 10, 10, 10, 10. On va vendre des moteurs ultra. On va vendre tous les moteurs, bah un une étoile. Sur des motos, on va certainement gagner en piochant des packs de cartes. Ça sert à rien de garder tout ça. Oh, le bénéfice, mon gars. Bon, gros, concrètement, là. Voilà. Bénéfique. Désolé. Et avant de quitter, bien sûr, on va aller voir les boutiques de. Enfin, les motifs de. Voilà. Voilà. 3000. Bénéfique! Ben, ce qu'on va faire, les amis, c'est que. Je sais pas si je vais entamer le montage tout de suite. Je verrai bien, du coup, voilà, on verra bien. Voilà. Tant donné que la conversion va prendre toute la nuit. J'ai plus de pêche. Il me reste du thé. Oui, il me reste du thé. Du coup, voilà.
Bon, j'espère que t'auras aimé le gameplay. N'hésite pas à liker, t'abonner, lâcher un comme ça, fait toujours plaisir. Ouais, c'était déjà Argost. Partage un max, abonne-toi, like. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, quand j'ai sur Insta ou YouTube, je sais plus, voilà, j'en fais tellement vidéo YouTube. N'oubliez pas qu'à 100 abonnés, 100 abonnés, je commande un truc et je le fais en unboxing. N'oubliez pas de noter ça, qu'à 100 abonnés, je commande un colis sur internet. Je ne dirai pas quand, je ne dirai pas, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 100 abonnés, le mois à venir, peut-être la semaine à venir, non, le jour où j'atteins les 100 abonnés, je vais faire un unboxing. Bien sûr, quand je recevrai un paye. Parce que merci les abonnés. Hein, merci. Pourquoi? Parce que sans like, sans partage, etc., eh ben je peux pas faire d'unboxing en touchant par YouTube. Pourquoi? Parce que je touche pas comme je touche pas bénéfiquement. Ce qui fait que ben, je peux pas faire d'unboxing par YouTube, par l'argent YouTube, parce que je touche pas de sous par YouTube. Je suis YouTuber, voilà comme ça. Voilà, et je dis pas que je suis en manque de sous, hein. Au contraire, moi mon kiff c'est les vidéos. Parce, de toute façon, de base, mon kiff c'est les vidéos. C'est faire des gameplays, m'amuser, rire et tout, voilà. Mais en même temps, si vous mettiez du vôtre, les abonnés, c'est que peut-être, par l'argent de YouTube, je pourrais vous faire des unboxings. Voilà. Après, à vous de voir si vous voulez que je continue à faire des gameplays tout pourris, à faire des podcasts, des. Voilà, etc. Après, si vous voulez que je fasse un unboxing en touchant de l'argent par YouTube, bah, likez, abonnez-vous. Voilà, c'est tout simple. Ouais, ça coûte rien. T'as pas besoin de numéro de CB, t'as pas besoin de numéro de compte bancaire ou quoi. T'as juste besoin d'un compte Google, d'un mot de passe et d'un compte YouTube. Rien de plus. Du coup, voilà. On va se quitter là-dessus, les amis. Ouais. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Merci mec. Voilà. Si tu veux que je fasse des unboxings. Ouais. Bref. C'était The Dark Ghost. Je sais pas. Il y aura pas de vidéo par Castérix, voilà, parce que j'ai pas envie d'emmerder mon oncle, ma mère, à faire yo tout le monde, ici Jargos, comment allez-vous, nous voici au parc d'Astérix. Non, non, j'ai envie de profiter, déconnecter d'Insta, déconnecter de YouTube, tout ce que vous voulez, en gros, ouais. Parce que j'ai remarqué que ça embête beaucoup mes proches quand je fais des vidéos, voilà, comme ça. Mon oncle dit pas, mais parce que gros, il ose pas, il est archi gentil, il critique jamais mon oncle. C'est celui-là qui est gothique, je parle. Mais ma mère, elle le dit pas. Mais je pense que ça la soucie qu'elle fasse des vidéos Insta, YouTube et tout. Voilà, en gros, ça gêne les autres. Ça prend du temps. Voilà. Voilà. Tout ça, voilà. Et même parce que j'ai qu'un harnais. J'ai un harnais pour mettre au niveau de la taille. Un harnais pour mettre au niveau de la tête. Et t'imagines avec le choc du manège, en gros, voilà. Ça peut faire voler mon harnais et péter ma caméra à exactement 100 balles. Du coup, voilà. Tu vas me dire, mais Diago, c'est plus cher. Je sais, bordel. Et je m'en bats les couilles, du coup. Bref. Like, abonne-toi, partage. Très important, ces trois éléments. C'était Diago. Passe une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à qui tu regardes la vidéo. Ouais. Ça peut être le jour, ça peut être le soir. Ouais. Ouais. Passe une bonne journée, bonne soirée, bonne journée, comme tu veux. Voilà, ciao, j'arrête, ciao.